Aline, 35 ans, est une danseuse de cabaret qui, à la scène comme à la ville, forme un duo fusionnel avec Michael, un chanteur à succès. Elle va être tout de suite attirée par lui parce qu'il a un certain aura, parce qu'il est déjà connu. Et lorsqu'ils se rencontrent, Aline n'est pas forcément dans ce milieu. Et c'est cette rencontre qui va faire qu'elle va basculer, elle va retrouver ce qui l'a toujours passionné. Et tout le monde les perçoit comme, je dirais, le couple idéal. Ils se sont trouvés, ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont amoureux. Mais ce tableau idyllique va soudainement voler en éclats. Le 16 juin 2018, à 4h30 du matin, Michael appelle la gendarmerie. Sa femme vient de disparaître. Et là, il constate la présence d'un corps calciné qui fait un peu plus de 70 cm. Et finalement, avec les os béants, une carcasse de corps humain. Et ils font le lien assez rapidement avec la disparition d'Aline. Une fois que le corps d'Aline est découvert, l'enquête, elle bascule. On n'est plus sur une disparition inquiétante, là. On est sur la découverte d'un cadavre. Jessica, 26 ans, est une jeune Mexicaine qui, par amour pour Jean-Marc, un Lyonnais en voyage au Mexique, va tout quitter. Les jeunes tourtereaux donc, vont s'installer dans cet appartement du troisième étage du quartier de la Croix-Rousse. Et tout va bien se passer, c'est le grand amour en fait. Mais le 11 août 2018, ce paisible quartier va être le témoin d'un terrible drame. En plein milieu de la nuit, le corps de Jessica est retrouvé au pied de l'immeuble. Pour tout le monde, à ce moment-là, elle s'est suicidée. Il n'y a personne qui remet en cause la thèse du suicide. Je pense qu'à ce moment-là, personne n'a une idée de ce qui va se passer ensuite. On est à Talhuyé, qui est une petite commune aux alentours de Lyon. Les gendarmes reçoivent un appel téléphonique. Il est à peu près 4h30 du matin. Un homme appelle au petit matin la gendarmerie pour signaler la disparition de sa compagne. Il a l'air affolé, incompris. Il s'appelle Michael et il indique à la gendarmerie que sa petite amie est partie la veille au soir, qu'il n'a pas eu de nouvelles et qu'elle n'est pas rentrée à son domicile. Il a reçu d'elle un SMS, très exactement à 21h45, lui disant qu'elle allait lui chercher une surprise. Donc lui, il s'endort en fait, et il se réveille une première fois où il lui envoie un message et elle répond pas. Ça semble étrange à Michael, parce que ce ne sont pas dans les habitudes d'Aline de quitter le domicile, d'une part, la nuit, seule, et d'autre part, de ne pas donner de nouvelles. Les gendarmes, évidemment, là, tout de suite, ils se demandent où Aline est passée. Donc, il y a plusieurs hypothèses à ce stade. Ça peut être soit un accident, soit une mauvaise rencontre. Le rôdeur inconnu qui circule dans le coin. Ça peut être aussi une fuite et un suicide. Aline, 35 ans, réside à Talhuyé, à une dizaine de kilomètres de Lyon, depuis plusieurs années. Elle est assez jolie, elle a des yeux de biche, c'est une danseuse de cabaret. Elle est originaire de la banlieue lyonnaise et elle a fait des études de communication. Aline est une femme issue d'une famille empreinte de principes, de valeurs, du respect d'autrui. C'est quelqu'un qui est décrit par sa famille, par ses proches, comme très douce, très souriante, très gentille. Elle semble n'avoir que des qualités d'ailleurs.
Depuis petite, elle aime danser, elle fait de la danse amateur le week-end et elle commence aussi la danse de cabaret. Et petit à petit, ça marche bien, elle a de plus en plus de demandes. Et elle va, à l'occasion d'une répétition qu'elle faisait un petit peu à côté de son activité d'universitaire, rencontrer Michael, qui était un homme qui avait beaucoup d'entre-gens et surtout une très belle voix. Aline et Michael se rencontrent fin de l'année 2013. Michael est chanteur de cabaret. Le courant passe, c'est le coup de foudre entre les deux, véritablement. Elle va être tout de suite attirée par lui parce qu'il a un certain aura, parce qu'il est déjà connu. C'est quelqu'un qui a une certaine envergure dans le milieu du spectacle, notamment lyonnais. Et lorsqu'ils se rencontrent, Aline n'est pas forcément dans ce milieu. Et c'est cette rencontre qui va faire qu'elle va basculer, elle va retrouver ce qui l'a toujours passionné. Cette fille voit en Michael une sorte de mentor, quelqu'un qui est déjà installé, quelqu'un qui lui sert de modèle. Bref, Aline, qui est une femme amoureuse, une femme entière, change de vie. En 2015, Aline se consacre entièrement à sa passion et crée une compagnie de danse avec sa meilleure amie. Elle décide du coup de fonder sa compagnie de danse avec une très bonne amie. Ça marche bien, elle a souvent des spectacles, etc. Enfin, voilà, c'est quelqu'un qui fait les choses très sérieusement, minutieusement et qui ne rate pas un rendez-vous, etc. Donc ça paye aussi au bout d'un moment. Elle éblouissait, une magnifique femme avec un corps magnifique, une danseuse exceptionnelle et puis une charité humaine. Le jeune couple est amené à travailler ensemble sur des spectacles. Michael en tant que chanteur et Aline comme danseuse. Et cela fonctionne. Il y a une sorte de symbiose qui se fait dans ce couple. On n'arrive plus à décider. Assez rapidement parce qu'ils sont tous les deux atteints de la passion artistique. Et tout le monde les perçoit comme, je dirais, le couple idéal. Ils se sont trouvés, ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont amoureux. Et de fait, ça part très vite, ils s'installent très vite ensemble. Et donc les choses débutent tout de suite de manière très sérieuse. Ce vendredi 15 juin 2018 ne diffère en rien des journées ordinaires d'Aline. La trentenaire participe à un spectacle dans un EHPAD à une soixantaine de kilomètres de chez elle. Elle est rentrée vers 19h à la maison. Elle était totalement comme les autres jours. Elle a contacté un peu avant une amie avec qui elle doit répéter le lendemain toute la journée. Et elles ont une discussion normale. Et vers 20h, il y a une autre amie, une danseuse, qui l'appelle. Et, il n'y a rien à signaler de particulier. On est en fin de semaine, elle a fait sa journée de travail, elle rentre chez elle auprès de son compagnon et donc ils vont passer une soirée qui a priori s'annonce normale. Depuis quelques temps, Michael a dû mettre un frein à sa carrière à cause d'un accident de la circulation dont il a été victime. Et ce soir-là, le couple a quelque chose à célébrer. Michael a souhaité boire un apéritif avec elle pour fêter son admission dans un centre de rééducation. Ils boivent de l'alcool, il va expliquer qu'elle boit un verre de rosé et puis qu'ils se servent des shots de vodka, qu'ils boivent assez rapidement. Et puis lui prend l'initiative de monter à l'étage, elle reste en bas. Aline décide d'aller dans son bureau, consulter son ordinateur. C'est une maison à 3 étages. Michael est au 2nd étage ou au 3e étage dans sa chambre. Le couple communique à l'intérieur de cette maison avec des SMS. Vers 21h45, il a reçu un SMS d'Aline lui
disant qu'elle allait lui faire une surprise. Il explique que ça ne le surprend pas plus que ça, parce que c'est une habitude chez elle que de temps en temps de lui faire des surprises. Et il va expliquer que rester à l'étage, en train de regarder des séries, il a fini par s'endormir. Donc dans la nuit, il s'est réveillé aux alentours d'une heure, 1h30. Il n'a toujours pas de nouvelles de sa compagne. Bien sûr, il commence à s'inquiéter. Il lui envoie des messages auxquels elle ne répond pas. Il prend l'initiative de téléphoner à des hôpitaux pour savoir si Aline n'a pas été victime d'un accident de voiture, par exemple. Il contacte également la meilleure amie d'Aline et il lui fait part de ses inquiétudes. Et enfin, téléphoner à la gendarmerie pour indiquer cette situation et le fait qu'il s'agisse pour lui d'une disparition inquiétante. Lorsque les gendarmes arrivent au domicile du couple vers 5h30 du matin, Michael n'est pas seul. La meilleure amie d'Aline, avec laquelle il a communiqué durant la nuit pour lui faire part de cette disparition, est présente avec sa maman. Bien sûr, tout le monde est inquiet parce que ça n'est certainement pas dans les habitudes d'Aline de quitter son domicile de la sorte. Ça n'est certainement pas dans les habitudes d'Aline de ne pas donner de nouvelles sur une soirée comme celle-là. On la cherche, son véhicule n'est pas sur place. Sur place, les gendarmes interrogent les proches pour tenter de savoir si ce départ pourrait être volontaire. Il y a donc la meilleure amie, la mère et la sœur qui tout de suite disent bah non, elle n'a aucun problème suicidaire, elle n'est pas dépressive, elle n'a aucune raison donc, de s'être donné la mort. Et par ailleurs, il semble n'y avoir aucun problème dans leur couple. Toutefois, un élément paraît rapidement suspect aux yeux des gendarmes. Michael, il a 3 griffures sur le visage et sur le cou. Donc forcément, les gendarmes le questionnent tout de suite là-dessus. Michael va donner cette explication, c'est qu'avec Aline, ils ont pris l'initiative de démonter un arbre à chat assez colossal qu'ils avaient construit quelques mois précédents et qui prenait beaucoup de place. Et qu'en démontant l'arbre à chat, Aline aurait fait une chute et voulant se rattraper, elle se serait rattrapée à Michael, d'où les griffures qu'il présentait. Et sur l'absence de cet arbre à chat, il suppose que c'est Aline qui l'a descendu, qui l'a placé dans sa voiture pour sans doute aller le mettre à la déchetterie ou autre, ou le détruire. Les services de gendarmerie font le tour du domicile à la recherche d'éventuels indices. Il regarde un petit peu dans la maison s'il y a du désordre ou des traces de lutte éventuelles. Il ne constate rien de particulier ou qui serait susceptible d'attirer leur attention sur éventuellement une bagarre ou des traces de sang ou quelque chose qui leur semblerait suspect. Ils prennent une photo d'Aline pour la rechercher et ils font une enquête de voisinage dans le quartier. Les voisins n'ont rien vu, rien entendu de particulier, à l'exception d'une voisine. Il est minuit 30, très exactement, lorsqu'elle indique qu'elle a entendu et vu la voiture revenir au domicile d'Aline et de Michael. C'est un point temporel qui est très important pour les enquêteurs parce que 21h45, c'était le message qu'Aline était censée avoir adressé à Michael pour lui dire qu'elle était partie lui faire une surprise. Et là, on constate que ce véhicule, qui pourtant aurait dû partir avec elle aux alentours de 21h45, en réalité sera vu là sur les lieux à minuit 30. Et à partir de ce moment-là, ça semble, pour les enquêteurs, assez particulier et ils s'interrogent. Michael, peut-être, serait-il à l'origine de quelque chose dont ils ignorent les tenants et les aboutissants, mais sans doute n'est-il pas étranger à cette disparition. À Talluyer, alors que les gendarmes recherchent Aline, ils vont recueillir un témoignage capital. Les gendarmes reçoivent un appel d'un voisin
qui habite à la sortie de ce village et qui a pour habitude de marcher. Et dans cette marche quotidienne, à un moment donné, il arrive dans un chemin dans lequel apparaît une voiture carbonisée. Le promeneur dit tout de suite aux gendarmes qu'il a l'impression qu'il y aurait peut-être des ossements sur la banquette arrière. Rapidement, la gendarmerie et les experts judiciaires se rendent sur les lieux. Et là, il constate la présence d'un corps calciné qui fait un peu plus de 70 cm et finalement, avec les os béants, une carcasse de corps humain. Et ils font le lien assez rapidement avec la disparition d'Aline parce que la voiture se trouve seulement à 2 km du domicile d'Aline et de Michael. On constate très vite que c'est un véhicule parfaitement semblable à celui d'Aline. C'est un monospace, il a la même configuration. Et puis surtout, on retrouve à côté de ce véhicule la plaque d'immatriculation qui renseigne tout de suite sur le fait qu'il s'agit effectivement du véhicule d'Aline. Une fois que le corps d'Aline est découvert, l'enquête, elle bascule. On n'est plus sur une disparition inquiétante, là. On est sur la découverte d'un cadavre. Pour les proches d'Aline, c'est le choc. 14 kilos de reste. La famille a hérité d'une petite boîte du corps d'Aline, de 14 kilos. Michael est absolument abattu, il ne comprend pas ce qui est arrivé. Aline est morte. La famille est détruite. Avec retenue. Et avec un cri immense. Un cri de douleur immense. Les techniciens de la section de recherche de Lyon procèdent aux constatations aux abords de la voiture incendiée. À proximité du véhicule, il y a une boîte d'allumettes qui est retrouvée. Boîte d'allumettes qui présente une particularité, c'est qu'elle est à l'enseigne d'une discothèque qui se situe dans l'Oise. Un expert incendie va s'attacher d'abord au départ de feu, tout simplement pour savoir s'il s'agit d'un feu qui peut être considéré comme étant accidentel, lié à l'accident du véhicule, ou s'il s'agit d'un incendie qui a été volontairement mis à ce véhicule. Il a expliqué que le feu avait pris l'initiative sur le siège passager avant droit du véhicule, que le feu avait été attisé par le fait qu'une fenêtre était entrouverte et le feu a été propagé jusqu'à l'arrière du véhicule où se trouvait Aline. Il constate également, suite à ce départ de feu, qu'un accélérant aurait été utilisé, comme de l'alcool à brûler ou autre. Il ne s'agit pas d'un accident, et s'il a pris feu aussi vite, c'est parce que quelqu'un l'a fait volontairement. Reste à savoir qui, finalement, a commis cet acte, et comment, véritablement, est morte Aline. Les gendarmes commencent à se poser quelques questions sur l'éventuelle implication de Michael. Les traces que porte Michael au visage, ça leur paraît un peu suspect, tout de même. Donc, il mène tout de suite une perquisition, donc dès le samedi, chez lui. Et là, cette perquisition se révèle assez fructueuse pour les enquêteurs. D'abord, ils vont trouver une machine à laver qui était en état de fonctionner, qui était en train de nettoyer des vêtements. Le linge est encore humide et dans la machine à laver, il y a un survêtement auquel est accrochée une petite feuille d'arbre. Et enfin, c'est la découverte d'une boîte contenant des boîtes d'allumettes. Et ces boîtes d'allumettes sont de la même nature que celles qui ont été retrouvées sur le lieu de l'incendie du véhicule. Comme les gendarmes soupçonnent vraiment fortement Michael, ils vont essayer de voir si le chien de la gendarmerie va reconnaître l'odeur de Michael sur la scène de crime. Donc ils vont faire sentir au chien un vêtement de Michael. À partir du véhicule, il va emprunter un chemin qui donnera, au bout d'une centaine de mètres,
sur un chemin départemental. Le chien de la gendarmerie permet de déterminer donc, que Michael était bien sur les lieux de la scène de crime, donc à côté de, au moins à côté de la voiture calcinée, et qu'il serait ensuite reparti à pied. À ce stade, c'est vrai que tout accuse pour le moment Michael, mais on ne comprend pas pour l'instant quel pourrait être son mobile. Pourquoi est-ce qu'il l'aurait tué alors que tout semblait rose dans leur couple, qu'ils étaient un beau couple, que même les voisins disent qu'ils avaient l'air d'être amoureux. Enfin, on ne comprend pas la raison. Face à tous ces éléments accablants, Michael est placé en garde à vue. Durant ses premières auditions en garde à vue, Michael se focalisera sur les déclarations qu'il a faites dès le départ à son premier coup de téléphone à la gendarmerie. Il n'a rien à voir là-dedans et au contraire, il se pose beaucoup de questions de ce qui a pu arriver à sa compagne. Lorsque les enquêteurs commencent à battre certaines cartes, comme la présence d'une boîte d'allumettes, il donne une explication en disant que Aline avait couramment dans son sac à main une boîte d'allumettes parce qu'elle avait des amis fumeurs. Quand on lui pose la question de savoir la présence de cette feuille dans le tambour de cette machine à laver, il est incapable de donner une explication. Alors les enquêteurs vont davantage s'intéresser à la personnalité du suspect. Michael a 38 ans au jour des faits. Il est issu d'une fratrie de 4 enfants. Son papa est militaire. Il a divorcé assez tôt d'avec sa maman. C'est un enfant qui est marqué par la séparation du couple des parents quand il a 4 ans. Un père qui va partir, être très absent, s'éloigner, avec lequel il aura très très peu de liens. Une mère qui, elle, est très, très sécurisante, aimante. Il va évoluer avec cette notion de l'abandon tout au long de sa vie. Ça va conditionner tout le reste. C'est quelqu'un qui ne va cesser de vouloir démontrer qu'il peut s'en sortir, de vouloir démontrer qu'il est très bon dans tout ce qu'il entreprend, et même potentiellement d'ailleurs meilleur que les autres. Michael, au début, il ne s'orientait pas du tout vers une carrière de chanteur. Il a fait un CAP boulangerie. Et c'est avec des rencontres qu'il peut faire que petit à petit, il commence à être DJ, animer des karaokés, etc. Et en autodidacte, en fait, il se lance dans la chanson. Je m'en irai courir dans le paradis blanc. Loin des regards de haine et des combats de sang. Retrouver les balais. C'est quelqu'un qui manifestement a des compétences certaines, c'est quelqu'un qui est reconnu dans son domaine et c'est quelqu'un qui verse vers la perfection. Il est très exigeant avec lui-même et le seul moyen qu'il a trouvé de se construire, bien sûr, c'est d'être totalement narcissique, on l'est tous un petit peu, mais lui il l'est de manière presque pathologique. Il veut tout le temps montrer aux autres qu'il est plus fort qu'eux. C'est aussi l'hypertrophie du moi, comme on dit, c'est-à-dire qu'il veut, dans la démonstration, qu'il est le meilleur, le plus valeureux, le plus intelligent. Et en interrogeant l'entourage de la défunte, les gendarmes découvrent qu'Aline et Michael ne formaient pas vraiment un couple idéal. Les proches d'Aline, ceux qui pleurent son décès et sa perte ont tendance à le décrire comme quelqu'un d'exubérant, de manipulateur, qui parle beaucoup, qui n'avait pas beaucoup de qualité. Le père et la sœur d'Aline voient ce couple de manière singulière, voient la duplicité de l'accusé. La famille aurait d'ailleurs mis la jeune femme en garde à plusieurs reprises, en vain. Elle était sourde à toutes les alertes que lui donnait sa famille sur le comportement de Michael. Elle était sous sa tutelle. Elle était tout simplement sous son emprise. Sous son emprise. Le couple
traverse sa première grande crise au bout d'un an de relation. La première année croche de ce couple, c'était en août 2014. Aline découvre que Michael entretient des relations virtuelles avec une ou plusieurs femmes sur Internet. Et Aline, finalement, est quelqu'un, une personne de très saine dans son type de fonctionnement. Elle ne le supporte pas. Michael va avoir une réaction un peu curieuse lorsqu'Aline lui annonce que c'est fini entre eux. Il va quitter le domicile brutalement et il ne va pas donner de nouvelles à Aline pendant plusieurs heures. Michael va errer pieds nus, sans carte bleue, sans téléphone. On va le retrouver errant, complètement déboussolé. Et il va avoir un premier épisode, là, d'amnésie, où on le retrouve dans la campagne, mutique. On va même l'hospitaliser en milieu psychiatrique pendant quelques jours, avant qu'il retrouve la mémoire et qu'il puisse expliquer qui il est, pourquoi il est là. À l'issue de cette hospitalisation, le couple a décidé, après avoir longuement parlé, de se donner une nouvelle chance. Et Michael réintégrera le domicile. Mais en mai 2017, un nouvel événement va venir ébranler leur bonheur conjugal. Il arrive quelque chose d'assez terrible pour Michael, c'est qu'il va être victime d'un accident de la circulation. De façon très simple, il sera victime d'un coup de lapin. Donc il va subsister un problème au cervical. Dans les premiers jours, dans les premières semaines qui suivent cet accident, celui-ci ne pourra plus chanter. Il va perdre l'usage de ses cordes vocales, l'usage de sa voix. Il est contraint aussi d'un point de vue physique de ralentir le rythme. Il est même en quelque sorte appelé à rester immobile. Michael dira notamment « Moi j'ai beaucoup de mal à me déplacer, j'ai beaucoup de mal au dos, je ne peux pas utiliser un de mes bras. » Il commence à prendre des médicaments pour supporter le mal qui subsiste, mais également des antidépresseurs, parce que psychiquement, il ne se sent plus capable de rien. Il n'est plus l'homme qu'il était, c'est-à-dire un homme qui avait réussi de manière assez brillante sa carrière, qui était pris en considération, qui était admiré, qui était applaudi. Donc il va y avoir cet effondrement personnel et il va être l'homme à la maison qui doit être aidé par Aline pour les gestes de la vie quotidienne. Aline, compte tenu du fait que Michael soit particulièrement diminué, va faire un peu l'infirmière. C'est elle qui va faire également le taxi. Elle l'emmènera dans ses nombreux rendez-vous médicaux. Elle va faire les courses, elle va s'occuper de tout. Et puis ensuite, sur le plan intime, il semble que ça ait des conséquences. Aline notamment explique à certaines de ses amies que, au niveau sexuel, ça n'est plus ce que c'était. Ils n'ont plus de relation depuis un certain nombre de mois. Et ça commence bien sûr à lui peser. Il a vu que Aline allait lui échapper, forcément lui échapper. Il sentait bien qu'elle allait partir. Est-ce que c'est l'une des raisons de son passage à l'acte? Et le témoignage de l'ex-compagne de Michael, avec qui il est resté plusieurs années, va apporter davantage d'éléments sur le comportement du chanteur. L'ex-compagne décrit à peu près la même chose que ce qui s'est passé entre Aline et Michael, c'est-à-dire des histoires d'infidélité, des messages assez clairs, découverts. Lorsqu'elle va découvrir qu'il est en train de la tromper, elle va envisager de lui dire tout de suite « c'est terminé entre nous ». Là, Michael va tout de suite le prendre très mal. Il la pousse dans le canapé et surtout, il la tient à la gorge et il fait mine de l'étrangler. Alors très vite, elle a une réaction, il retire assez vite sa main, mais on sent que face à cette annonce potentielle d'une séparation dans le couple, il y a déjà eu un précédent. À la gendarmerie de Mornant, cela fait 24 heures que Michael est en garde à vue, quand les enquêteurs décident de le réinterroger. La cinquième audition, c'est l'audition déterminante. Je pense que les enquêteurs, là, lui font comprendre très clairement que les choses deviennent très sérieuses.
Il va dire, bon, effectivement, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Il va indiquer qu'avec Aline, ce soir-là, ils ont bu un apéritif et que suite à cet apéritif, ils ont décidé de démonter cet arbre à chien. Elle va monter au-dessus de lui pour pouvoir dévisser une partie de cet arbre. Elle va par la suite tomber en arrière, basculer, et puis sa tête va cogner sur une partie de l'escalier du domicile. Et là, il va constater tout simplement qu'elle est décédée. Il n'explique pas comment. Il n'explique pas de quelle manière. Et il se dit, je ne vais pas non plus téléphoner à la gendarmerie parce que je suis sûr qu'on ne va pas me croire à cette thèse accidentelle. Quand il a la révélation qu'Aline est décédée, dit-il, de cette chute de l'arbre à chat, il va, toujours dit-il, la veiller pendant plusieurs heures, pleurer. Et se souvenir brutalement que le vœu d'Aline était d'être incinéré. Et il va, par conséquent, prendre ce corps encore chaud, le transporter dans le véhicule. Il va prendre les restes de l'arbre à chat, le mettre dans le véhicule. Pourquoi l'arbre à chat? Parce que, nous dit-il, c'était la dernière chose que nous avions faite avec Aline. Il se munit de White Spirit qu'il a découvert dans la cave, qui était présent dans la cave du domicile, et d'allumettes. Et puis il l'a ensuite emmené à 2 kilomètres de là et il a mis le feu. Il s'est assis, dit-il, à côté d'elle parce qu'ils avaient parlé d'être incinérés l'un et l'autre après leur mort, quand ça arriverait. Donc il a pensé à l'immolation, mais il dit avoir eu tellement peur des flammes qu'il est sorti de la voiture et il est rentré à la maison. Il a dit être sidéré, bouleversé. Mais il a tout de même quand même eu la capacité d'envoyer des messages pour dire Aline n'est pas rentrée, pour appeler les secours, pour dire elle a disparu, pour qu'on la recherche, alors qu'elle était déjà morte. La version que donne Michael, elle ne convainc personne et certainement pas les enquêteurs. D'abord, il y a cette question toute simple. D'accord, vous avez constaté que votre compagne était décédée du fait d'être tombée la tête la première sur l'escalier. Comment est-ce que vous l'avez constaté alors que vous n'êtes pas médecin? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas entrepris un quelconque processus pour tenter de la réanimer? Pourquoi tout simplement vous n'avez pas appelé les secours? À l'issue de sa garde à vue, Michael est mis en examen pour homicide volontaire sur conjoint et placé en détention provisoire. Tandis que Michael est toujours emprisonné, les résultats des expertises médico-légales vont mettre à mal sa version des faits. L'examen médico-légal mettra en évidence l'absence de plaies, de traumatisme crânien de la part d'Aline. C'est-à-dire qu'aucun coup n'aurait été donné sur la boîte crânienne d'Aline. On retrouve à l'intérieur de sa bouche un tissu et autour de son cou aussi un genre de tissu mais qui est bien calciné mais qui pourrait s'apparenter à une ceinture. Le médecin légiste indiquera qu'avec certitude, le décès est dû soit à un étranglement, soit à un étouffement. Par conséquent, ça a mis à mal la thèse de l'accusé qui disait qu'Aline avait fait une chute de l'arbre à chat. Et ce n'est pas tout. Dans le corps d'Aline, on découvre la composante de l'amitriptyline. L'amitriptyline, c'est un médicament qui est censé effectivement être utilisé pour combattre, par exemple, les douleurs. Je crois que c'est normalement 50 mg, et là on trouve 500 mg, donc quelque chose de très important par rapport à une prise normale de ce médicament. Ça a son importance parce que lorsqu'on regarde les effets secondaires de ce type de médicament,
c'est surtout quelque chose qui amoindrit vos capacités de défense. Le médicament qui rend léthargique, comme par hasard, avait été prescrit à Michael à la suite de son accident de 2017. Et on retrouve des traces de ce médicament dans les verres de rosé et de vodka grenadine qu'on a retrouvé dans l'évier lors de la perquisition. Lorsque on interroge Michael sur la présence de l'amitriptyline dans les verres trouvés et saisis dans la cuisine, celui-ci indique que parfois il arrivait à Aline de s'automédicamenter parce qu'elle avait des douleurs du fait de danser beaucoup et que son corps souffrait. En revanche, les proches d'Aline expliqueront que jamais elle n'a pris ce médicament et que plus largement d'ailleurs elle ne s'automédicamentait pas. C'était quelqu'un qui faisait très attention à son corps. Et les juges ont conclu que l'accusé avait prémédité son meurtre en préparant une boisson avec un somnifère qu'Aline a bu, l'a étranglé et l'a ensuite transporté dans son véhicule pour la brûler. Au mois de juillet 2019, Michael, du fond de sa prison, va écrire un courrier adressé au juge d'instruction et au cours de laquelle il va modifier sa déclaration. Il va écrire au juge d'instruction pour dire « Vous aviez raison, c'est bien moi qui suis responsable de la mort d'Aline. » Et il dit que sa mémoire est revenue à l'occasion de cauchemars dantesques. Il dit que Aline et lui se seraient disputés parce qu'elle le soupçonnait encore d'infidélité. Elle va lui reprocher de toujours correspondre avec ses ex-amis. Elle a trouvé des mails cachés et donc elle va être extrêmement violente, enfin en parole. Hein. Il ne va pas le supporter, il dit qu'elle l'a touché, qu'elle a mis les mains sur les épaules, ça aurait déclenché une douleur intense et il l'aurait repoussé, très rejeté, hein, très violemment. Et c'est la chute donc qui va être la cause de la mort. Le juge reçoit ça. Mais le juge est un homme opiniâtre. Et il lui dit oui, soit. Mais comment expliquez-vous que l'on ait retrouvé dans son estomac ce produit somnifère destiné à endormir. Comment expliquez-vous ce morceau de tissu que l'on retrouve dans sa bouche? Comment expliquez-vous que le médecin légiste ait conclu à une mort par asphyxie? Et il sera renvoyé, non pas pour meurtre, mais il sera renvoyé devant la cour d'assises pour des faits d'assassinat, c'est-à-dire meurtre avec préméditation. Et puis, il y a eu un événement majeur. Pratiquement un mois, jour pour jour, avant la mort d'Aline. Aline se réveille, elle est couchée dans son lit, elle se réveille avec une forte douleur au crâne, et sa première réaction, bien sûr, c'est de se toucher les cheveux pour savoir ce qui est arrivé. Et elle constate la présence massive de sang. En fait, le couple avait raconté à leurs proches à ce moment-là que c'était accidentel, qu'elle se serait ouvert le crâne en dormant. On interrogera Michael sur la présence de cette plaie sur la tête d'Aline et il dira que Aline a été prise de spasmes ce soir-là dans son lit et qu'elle se serait cognée toute seule contre le montant du lit. Et on va découvrir que quelques minutes avant que ça ne se produise, Michael, sur Internet, a fait des recherches sur le coup à la tête. Et donc on se pose bien sûr la question, qu'est-ce que vous avez été faire une recherche avant qu'il ne lui arrive ça? Ce jour-là, l'accusé lui a fait absorber le même produit qui lui fera absorber un mois plus tard. Par conséquent, il ne se souvient de rien. J'affirme qu'il l'a frappé, mais que pour une raison qui nous échappe, il a arrêté son geste. Sans doute s'est-elle réveillée, l'a regardée. Il y a eu
un premier acte de tentative d'assassinat. Le procès débute le 24 mai 2022. On est devant la cour d'assises du Rhône. Le dossier doit être examiné durant une semaine. Il y a énormément de questions qui se posent. Nous-mêmes, nous attendons beaucoup de ce procès parce que Michael, jusqu'alors, et en dépit des bribes d'explications qu'il a données, n'a jamais été en capacité d'apporter des réponses à la justice, certes, mais bien sûr aussi et surtout à la famille d'Ali. Il voulait avoir des réponses à leurs questions. Pourquoi a-t-il donné la mort et comment a-t-il donné la mort ? Les plus grands censeurs d'un crime, ce sont ceux qui souffrent le plus de la mort de la victime. Les parents, la sœur d'Aline, au premier instant de l'affaire, m'ont dit, Maître Usan, il l'a assassiné. Mais durant le procès, l'accusé, qui risque la perpétuité, va adopter une attitude très centrée sur lui-même. Il y a quelques fois où il a pris la parole. Les seules fois où il était plutôt expressif, ou même parfois il s'est mis à pleurer, c'était en parlant de lui, et pas en parlant de Aline. Il était plutôt gémissant sur lui-même, se présentant plutôt comme victime. Je crois qu'il a pris une identité de victimaire à partir de l'accident de 2017. Tout le monde aurait voulu qu'il parle plus. Or, il n'a pas été enchanteur. Un des juges d'instruction qui a instruit l'affaire aussi se disait qu'il allait séduire les jurés. Et ça n'a pas été le cas du tout. La personnalité complexe de Michael est au cœur des débats. Son avocat, il a beaucoup parlé de l'abandon par son père quand il était enfant et qu'en fait, toute sa vie, il aurait cherché à retrouver ce regard qu'il avait perdu et du coup à monter sur scène. C'est ce qu'il a avancé pendant le procès, que tout était lié à cette blessure d'enfance de son père qui l'abandonne et que dans cette relation fusionnelle avec Aline, il avait tellement peur de l'abandon et comme leur couple était déjà mal en point, avant qu'elle parte, il a préféré la tuer. Les experts psychiatres se penchent également sur l'amnésie que le chanteur évoque au moment des faits. Est-ce qu'il a vraiment perdu la mémoire ? Ou est-ce que c'est uniquement une manipulation pour ne pas dire quel était son rôle actif dans la mort d'Aline ? Cette amnésie qui a quand même été importante et qui persiste encore, hein, de manière partielle, a une triple origine. Être confronté au corps mort, c'est toujours bouleversant. Et il a sûrement eu un effet de stress. Il y a sûrement aussi une cause manipulatoire. Et puis, il y a peut-être une cause névrotique ou pathologique. L'image que je remporterai de ce procès, c'est lorsque le président a fait visionner les vidéos du véhicule incendié et des restes d'Aline, un bout de corps comme ça. J'avais devant moi l'accusé. Je ne l'ai pas lâché du regard. Il a contemplé l'écran comme l'on regarde un reportage. Pas une émotion. Le 27 mai 2022, Michael est condamné à 25 ans de réclusion criminelle et 5 années de suivi socio-judiciaire. Je crois qu'il a accepté la peine, c'est un peu ce qu'il avait dit. Quel que soit le quantum de la peine, ce que je recherche, c'est la vérité. On ne l'a pas eu, lui, j'espère qu'il est toujours à la recherche de la vérité. Et la famille, empreinte de retenue, de réserve, de bonté, me dit encore
Mais pourquoi? Pourquoi un magistrat qui incarne la justice, qui demande la réclusion criminelle à perpétuité, n'a pas été suivi? Vous savez ce que c'est que le traumatisme d'une victime? C'est que toutes les choses de la vie que vous voyez, pour eux, sont insoutenables. Par exemple, une allumette, une voiture incendiée, un film où on fait une autopsie, un film policier où il y a un homme qui a tué une femme et qui ment. Toutes ces choses-là sont finies. Tout les ramène à la mort atroce d'Aline. Aline, elle ne ressortira jamais de sa tombe. Ses parents, sa sœur, sont mutilés à jamais. On est le 11 août 2018, dans une petite rue de la Croix-Rousse, à Lyon. Il fait très chaud à Lyon à cette période-là. C'est une petite ruelle qui est assez calme. Les personnes qui dorment dans les immeubles qui bordent la route ont la fenêtre ouverte. Il n'y a pas de bruit particulier dans la rue. Les voisins sont alertés par un grand bruit, un bruit qui assimilait un bruit de tôle. En tout cas, un bruit assez fort qui trouble la quiétude de la nuit et qui amène une personne à se lever et à venir voir par la fenêtre qu'est-ce qui a pu se passer. Et quand elle se penche et qu'elle regarde par la fenêtre, il fait encore nuit, elle voit un corps allongé auprès d'un véhicule sur le bord du trottoir. Le corps d'une femme, d'une jeune femme dénudée. Et constatant que le corps ne bouge pas, il va prendre la décision de descendre au rez-de-chaussée. Et c'est à ce moment-là qu'il rencontre Jean-Marc, donc son voisin d'en face, qui lui indique que c'est son épouse, Jessica, qui est au sol et qu'elle vient de sauter par la fenêtre de leur appartement du troisième étage. Et là, il va découvrir le corps d'une jeune femme qui s'est fracassé la tête sur le trottoir, une flaque de sang, et un corps qui manifestement apparaît décédé. On peut se poser la question de savoir ce qui s'est passé, parce que la façon dont Jessica est décédée n'est pas naturelle, n'est pas commune. C'est vrai que se jeter d'une fenêtre à 5 heures du matin, pour mettre fin à ses jours, ça pose question. Cette scène est épouvantable, et elle n'est que le début d'une enquête aux multiples rebondissements. Jessica, 26 ans, s'est installée à Lyon depuis presque 2 ans. Elle est originaire du Mexique. Elle est la cadette et Jessica donc, est une jeune fille souriante, gaie. Elle est élevée dans une famille, on va dire, de la classe moyenne supérieure. Elle avait l'air d'une jeune femme plutôt enjouée. Qui la croque à pleines dents. Elle a l'air très entrepreneuse. Elle fait des études d'architecture au Mexique. Et c'est une fille qui écrit très bien, avec une véritable poésie, qui arrive à coucher ses pensées, les pensées les plus intimes, sa douleur. Assez tôt, ses parents divorcent. Sa vie au Mexique est difficile. Sa
sa relation aux parents n'est pas toujours au beau fixe. Elle se cherche, elle a des difficultés, elle ne réussit pas dans ses études. Jessica a 24 ans lorsqu'elle fait la connaissance de Jean-Marc, un jeune Français de passage au Mexique. Ce dernier a pris la décision d'aller passer 6 mois là-bas. C'est un moment clé de la vie de Jean-Marc puisqu'il décide de partir à la recherche de ses origines. Son père étant de nationalité mexicaine. Jean-Marc vit alors dans une colocation et c'est au cours d'une fête organisée à son domicile qu'il rencontre Jessica. Ça va être un peu le coup de foudre immédiatement puisque dès la première soirée, elle va passer la nuit au sein de la colocation. Et c'est le point de départ de cette histoire d'amour, puisqu'on sait que par la suite, ils ne vont plus se quitter. C'est un amour fusionnel, exclusif. Ils sont très proches, ils ont chacun leur fragilité, ce qui peut sans doute les rapprocher. Et ils vont vivre des moments très heureux au Mexique. Jean-Marc est là pour 6 mois au Mexique. Et au terme de son voyage, il décide de dire à Jessica de venir en France. À ce moment-là, c'est inconcevable pour eux de se séparer, parce qu'ils sont amoureux éperdument, que Jessica est en froid avec sa famille. Il achète un billet d'avion pour que Jessica puisse le rejoindre en France. C'est ainsi qu'en novembre 2016, la jeune Mexicaine s'envole pour Lyon. Au moment où elle quitte le Mexique, c'est pour aller vivre la vie dont elle a toujours rêvé avec Jean-Marc, dont elle est tombée éperdument amoureuse. Encore une femme qui suit un homme. C'est très rare, les hommes qui suivent les femmes pour des projets professionnels, mais c'est très courant des femmes qui suivent les hommes dans d'autres pays. Le point noir qui va arriver, c'est que le visa de Jessica va arriver à expiration, qu'elle devrait retourner au Mexique. Donc ils vont prendre la décision, peut-être un peu précipité, de se marier pour que Jessica ait l'autorisation de rester en France et qu'ils puissent poursuivre leur vie commune. Les jeunes tourtereaux donc, vont s'installer dans cet appartement du 3e étage du quartier de la Croix-Rousse et tout va bien se passer, c'est le grand amour en fait. Mais le tableau idyllique va se ternir avec le temps. Jessica essaye de s'intégrer à la vie lyonnaise, elle va essayer de trouver du travail, mais elle a quand même des difficultés à s'intégrer sur le plan social, sur le plan professionnel. Elle va développer une activité de bijoux fantaisie qui va lui permettre de vendre quelques bijoux dans un magasin sur Lyon, mais là aussi l'activité n'est pas prospère. La première chose qu'elle aurait dû faire, c'est de lui faire apprendre la langue. On ne peut pas venir en France sans apprendre la langue. Quand on ne parle pas la langue, on est dans une cage. La langue, c'est ce qui nous permet de créer un lien avec l'autre. Elle n'a pas beaucoup d'amis, elle parle mal le français. Tandis que Jean-Marc, lui, il travaille, hein, il gagne plus de 3000 euros par mois parce qu'il est formateur informatique. Et ça se passe mal dans le couple. Jessica s'ennuie, elle va se plaindre à sa famille qu'elle est toute seule et que ça se passe mal. Et il est vrai qu'il est un peu compliqué pour elle de s'ouvrir au monde extérieur. Jean-Marc est dans une attitude de protection vis-à-vis d'elle et lui aussi va un peu se détacher de ses amis et va moins leur parler, rester avec elle au cours de ces soirées-là. Pour aider la jeune femme, les parents de Jean-Marc lui financent des études d'architecture par correspondance. Mais Jessica abandonne rapidement. Elle n'arrive pas à trouver la motivation nécessaire pour continuer. Ce que peut peut-être parfois lui reprocher Jean-Marc, qui aimerait effectivement qu'elle puisse concrétiser ses projets. Jean-Marc a été confronté à une difficulté, c'est qu'il avait rencontré au Mexique une jeune femme souriante, gaie. C'était le soleil, la joie, la gaieté. Et puis, après cette phase, on vient dans la réalité. Jessica, elle est dépendante de Jean-Marc au plan affectif, au plan matériel aussi. Et Jean-Marc, qui appréciait beaucoup de ses défauts à l'époque comme étant des qualités quand ils étaient au soleil, le côté insouciant, le côté jeune, jovial, gay,
ça va devenir des défauts. Il aimerait qu'elle soit plus active à trouver du travail, enfin qu'elle soit moins, on va dire, immature. Alors ça ne veut pas dire que tous les mariages issus d'une passion amoureuse initiale sont voués à l'échec, hein, pas du tout. Mais c'est quand même plus courant d'avoir une rupture, on va dire, aussi rapide que la prise de contact a été rapide. C'est dans ce quotidien, parsemé de disputes, que le couple sombre dans la drogue. C'est vrai que dans cette situation de couple qui est d'abord idyllique, ensuite qui est toxique, en tout cas difficile à être maintenue, il y a en toile de fond la consommation de produits stupéfiants. Jean-Marc est un ancien drogué. Il avait réussi à se sevrer avant de partir au Mexique, mais de retour en France, il recommence à consommer de l'héroïne. Et bien sûr, il va influencer sa femme. Et Jessica, elle aussi, va se droguer. Et c'est peut-être ça le drame de cette histoire. Et c'est un couple qui est devenu un couple de toxicomanes. Ça a contribué très clairement à isoler un peu plus la jeune femme. Et puis, ça n'a fait que compliquer, en fin de compte, augmenter ses difficultés à s'installer dans la vie, à trouver un job, etc. Les prises sont de plus en plus fréquentes. Et Jessica, dans son journal, pour elle, c'est quelque chose de terriblement dur. Au bout d'un an et demi de vie commune, Jean-Marc prend une décision radicale. Petit à petit, Jean-Marc comprend que ce mariage et cette vie de couple ne pourra pas prospérer. Et donc il envisage de divorcer, il en parle à Jessica. Mais Jessica, elle veut pas, elle est toute seule en France, elle n'a pas envie de divorcer. Jessica était dépendante et il s'accrochait avec un caractère mexicain, un caractère très fort. Je pense que la jolie Mexicaine, pleine de soleil, est devenue encombrante à Lyon et il veut s'en débarrasser. À Lyon, Jean-Marc semble décidé à mettre un terme à son mariage avec Jessica. En avril 2018, Jean-Marc va d'ailleurs se rendre auprès des services de police de Lyon et il va faire une main courante en indiquant qu'il souhaite divorcer et quitter le domicile conjugal. En fait, la procédure de divorce, en soi, elle est très simple. Quand on a décidé de divorcer, les choses peuvent se faire très rapidement. Mais le problème dans cette affaire, c'est que Jean-Marc ne veut pas faire les choses rapidement. Il veut préserver Jessica. Il va tenter, par différents moyens, de convaincre Jessica de retourner au Mexique pour se ressourcer, pour qu'elle puisse faire le point sur sa situation. Et puis, je pense qu'il espérait que l'aller-retour ne soit qu'un aller et qu'elle reste sur place. Lorsqu'il commence à évoquer la possibilité d'un divorce, pour elle, c'est la fin du monde. Parce que ce monde était déjà très rétréci. Il n'avait que lui. Lui et l'héroïne. Malgré les tensions, en août, Jean-Marc propose à Jessica de l'accompagner à Valence pour se rendre au chevet de sa grand-mère mourante. En fait, on l'a fait venir au prétexte d'aller voir la grand-mère, mais en réalité, elle est convoquée par la famille de Jean-Marc pour lui dire « Voilà, maintenant il faut divorcer et il n'y a pas d'autre solution. » Et elle va rien vouloir entendre, elle va tout refuser. Et là, l'ambiance devient très tendue. Donc le couple décide de rentrer à Lyon dans leur domicile. Ils prennent l'autoroute et durant toute la route, ça va être des disputes. Des disputes entre deux, des insultes qui vont être échangées. Ils s'arrêtent sur une aire d'autoroute. Ils vont consommer de l'héroïne pour essayer de calmer la tension. La tension se calme, ils remontent dans le véhicule. Ils arrivent à Lyon, à l'appartement. C'est déjà tard dans la nuit, minuit, 1h du matin. À ce moment-là, personne n'aurait pu imaginer ce qui allait se passer par la suite. Et d'ailleurs, les parents de Jean-Marc ne l'auraient pas laissé repartir à Lyon s'ils avaient pu imaginer qu'une dispute de cette sorte allait éclater. On a un couple qui est en total dysfonctionnement.
Jessica est très très en colère contre Jean-Marc parce qu'elle n'apprécie pas d'avoir été convoquée par la famille de Jean-Marc. Et il va se passer des choses qui vont faire que on va basculer dans le drame. Ouais. L'ensemble des gens qui sont sur place sont consternés par ce qui vient de se passer. Une jeune femme d'une vingtaine d'années, gisant par terre sur le trottoir, en petite culotte, et avec un caraco voilà, qui est par terre, sans vie. Cette jeune femme, c'est Jessica. Son corps vient de chuter du troisième étage. Jean-Marc est complètement bouleversé par ce qu'il découvre. On comprend pourquoi. Quand il appelle le SAMU, les secours, il n'arrive pas à dire qu'il est au quartier de la Croix-Rousse. Le témoin va donc prendre le téléphone et expliquer aux sapeurs-pompiers l'endroit où le drame est survenu pour qu'il puisse intervenir. Les services de secours vont lui demander justement de vérifier si cette jeune femme est en vie ou non. Il va mettre sa tête au niveau du dos de Jessica pour voir s'il entend le cœur battre, s'il arrive à percevoir quelque chose, et il va indiquer au secours qu'il n'entend absolument rien. Lorsque les secours arrivent, ils constatent immédiatement qu'ils ont affaire à une personne qui a chuté manifestement d'un étage de l'immeuble et qui est décédée. Il y a une petite flaque de sang au niveau de la tête. Parce qu'en fait, le corps de Jessica est tombé sur une des voitures en stationnement et ensuite est tombé sur le sol. On constate qu'elle a une fracture ouverte au niveau de l'une des jambes. Le décès va être constaté à 5h45. Immédiatement sur place, les enquêteurs vont poser des questions à Jean-Marc pour essayer de comprendre ce qui a pu se passer. Si Jean-Marc est interrogé donc par les policiers, c'est parce que c'est la dernière personne à avoir vu Jessica vivante. Le discours est cohérent, il explique que Jessica depuis longtemps était suicidaire et que à l'occasion d'une dernière dispute, Jessica refusant de divorcer, elle a enjambé la fenêtre et elle s'est jetée dans le vide. Ils vont aussi voir l'appartement. L'appartement est bien rangé, il n'y a pas eu de scène, donc il n'y a pas eu de dispute conjugale. Donc ils ont conclu que la version de Jean-Marc est correcte et bonne et qu'il n'y a pas à suspecter sa version. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que ce dernier n'est pas interpellé, placé en garde à vue, qu'on va simplement lui demander de se rendre au sein du commissariat de police pour une audition libre. Quelques heures après le drame, Jean-Marc se présente au commissariat du 1er arrondissement de Lyon pour son audition. Il va raconter ce qui s'est passé, il a retrouvé ses esprits, hein, il est plus calme. Il explique tout le déroulement de la soirée, toutes les péripéties. Donc il est 1h du matin quand le couple revient de Valence, de cette réunion de famille. Il monte au 3e étage dans leur appartement et Jessica est toujours sous le coup de la colère. Elle va donner des coups à Jean-Marc. Jean-Marc va essayer de répliquer et lui aussi aurait donc donné des coups contre Jessica. C'est une sorte de bataille entre le couple. Jessica tombe et se fait mal. Il explique que, alors qu'il se trouve dans la mezzanine, alors que Jessica est énervée, alors qu'il essaye de la calmer, elle descend, lui reste dans la mezzanine. Et il indique qu'il la voit s'approcher de la fenêtre et, dans un dernier moment de colère, enjamber le rebord de la fenêtre et se jeter dans le vide. Et lui, il n'a pas le temps de réagir. Il voit cette scène. C'est la plus horrible scène de sa vie. Il est à l'étage dans cette mezzanine. Il n'a pas pu intervenir. Et donc, c'est ça qui le conduit à immédiatement descendre et appeler les secours et expliquer à tout le monde dans quel état de sidération et de désespoir il se trouve du fait du suicide de sa femme. Les policiers entendent cette version de Jean-Marc et tout paraît cohérent. Effectivement, la victime a une trace de traumatisme crânien. Elle est vraisemblablement tombée par la fenêtre. Et puis Jean-Marc présente un profil de quelqu'un de respectable.
Il n'a aucune trace sur son casier judiciaire, il n'est pas connu des services de police, il n'est pas connu pour des violences conjugales, donc les policiers vont croire à cette version. Ils conviennent qu'en l'état des éléments de l'enquête, et en attendant une autopsie à venir, on peut laisser Jean-Marc retourner chez lui. Pour tout le monde, à ce moment-là, elle s'est suicidée. Il n'y a personne qui remet en cause la thèse du suicide. Je pense qu'à ce moment-là, personne n'a une idée de ce qui va se passer ensuite. Le dossier aurait pu être clôturé comme ça, s'il n'y avait pas eu un rebondissement. À Lyon, au commissariat du 1er arrondissement, après la défenestration de Jessica, les policiers convoquent plusieurs témoins pour tenter de comprendre les circonstances du drame. Les enquêteurs entendent les voisins du couple. Ils vont interroger le témoin numéro 1, c'est-à-dire Alexandre, celui qui est descendu pour voir le corps de Jessica, et il va raconter que c'est un couple complètement normal. Il n'a jamais prêté attention à ses voisins d'en face, alors même que là, on est en plein été, que les fenêtres sont ouvertes, on est dans une rue qui est quand même un peu exiguë. L'épouse du témoin numéro 1 raconte qu'elle a entendu une dispute, mais vraiment une dispute de couple qui a duré 10 minutes, qui était vraiment sans importance, presque banale. Personne n'a constaté ni de violence, ni de dispute, ni de cri, ni de bagarre. Le couple est calme et paisible, à part qu'ils fument beaucoup de cannabis et qu'ils empestent les escaliers. Sorti de ça, il n'y a rien qui puisse laisser penser à un acte de violence de la part de Jean-Marc sur Jessica. Jean-Marc, encore sous le choc, décide de quitter Lyon. Nous sommes le 11 août au petit matin. Jean-Marc rentre à Valence, au domicile de sa maman, pour se reposer. Elle lui propose de voir une psychologue ou de voir un médecin pour prendre des cachets et puis calmer la tension. Mais Jean-Marc est véritablement sur les nerfs. Il pleure et très vite, il va dire à sa mère que non, les choses ne se sont pas passées comme il l'a dit. Il dit à sa maman que c'est lui qui est responsable de la mort de Jessica. Et là, tout va basculer. Jean-Marc va écrire une lettre pour mettre sur le papier tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a fait. Le 13 août 2018, soit deux jours après la mort de Jessica, Jean-Marc et sa mère se rendent chez leur avocat pour lui remettre la lettre. Jean-Marc écrit un courrier de plusieurs pages où il explique exactement ce qui s'est passé, puisque c'est plus facile pour lui à ce moment-là de l'écrire et de me communiquer ce courrier. Peut-être qu'il est rattrapé à ce moment-là par sa conscience. Ce que va raconter Jean-Marc va complètement bouleverser cette histoire. Lorsque le 13 août, aux environs de 8h, 8h30, j'appelle la permanence du parquet de Lyon, lorsque je l'informe qu'effectivement c'est Jean-Marc qui est à l'origine du décès de Jessica, c'est un véritable coup de tonnerre. On partait de la thèse d'un suicide quasi avéré pour aboutir à un meurtre reconnu. Le lundi 13 août 2018, Jean-Marc est interpellé à Valence, au cabinet de son avocat. Jean-Marc est placé en garde à vue. Et c'est là que va débuter l'affaire, et en tout cas, lui, il ne va plus quitter la détention, puisqu'à partir de ce moment-là, on n'est plus sur une recherche des causes de la mort face à un cadavre trouvé dans la rue, mais on est sur une suspicion d'homicide volontaire. Jean-Marc va alors revenir sur les événements de la nuit du drame. Son récit débute au moment où le couple quitte Valence et la famille de Jean-Marc. Jean-Marc explique que la dispute qui avait débuté au sein du véhicule, donc durant ce trajet Valence-Lyon, continue dans l'appartement. Il explique qu'à un moment, voulant faire cesser les bruits, la dispute, il la maintient en la serrant dans ses bras, donc elle est dos à lui. Et puis, petit à petit, la prenant dans ses bras, elle descendrait et il en viendrait à la prendre au niveau du cou.
Il explique qu'il est complètement déconnecté de la réalité, qu'il ne se rend pas compte de ce qui se passe. Cette prise dure très longtemps et Jean-Marc tombe au sol avec Jessica, toujours en la serrant, et il va arrêter quand Jessica ne répondra plus, qu'elle sera inerte. Il faut au moins un quart d'heure pour faire ça. Elle tombe au sol et là, Jean-Marc se rend compte que peut-être que Jessica est morte. Il panique. Il ne sait pas quoi faire. C'est quand même 4 heures du matin. Hein. L'héroïne, le manque de sommeil, le stress, tout ça, ça dure depuis des mois. Et il se retrouve face au corps inerte de celle qu'il a aimée. Pendant ces 2, 3, 4 heures, parce que ça, on ne sait pas véritablement le temps que ça a duré, ce que l'on sait, c'est qu'il écoute de la musique. Jean-Marc se comporte de manière totalement irrationnelle. Il reprend de l'héroïne pour essayer peut-être de se calmer. Il prend le collier bleu qui était le collier préféré de Jessica et il lui met autour du cou. Il lui met un coussin sur le visage parce qu'il ne peut pas soutenir le regard de Jessica qui vient de tuer. Et puis à un moment donné, dans son esprit perturbé, face à cette réalité, il imagine quelque chose qui est plus acceptable, c'est-à-dire une mort qui ne serait pas de son fait ou de sa responsabilité, mais une mort qui serait le fait de Jessica, c'est-à-dire un suicide. Jean-Marc explique alors avoir pensé à défenestrer le corps de Jessica. Il va réfléchir à comment il va faire pour que Jessica chute de cette fenêtre. Il va essayer à plusieurs reprises. Il va rencontrer beaucoup de difficultés parce qu'on est sur un appartement ancien, que la fenêtre est très élevée, que le corps de Jessica est lourd et que c'est compliqué. Il va essayer une première fois. Il ne va pas réussir. Il a ensuite l'idée de rapprocher deux tabourets l'un de l'autre, de poser le corps de Jessica dans un premier temps sur les tabourets, puis ensuite, dans un deuxième temps, d'arriver à le faire basculer. Il va faire comme un levier, il va prendre appui au sol et il va réussir, avec ses bras, à basculer le corps par la fenêtre. Afin de vérifier les aveux de Jean-Marc, une perquisition est effectuée dans son appartement. Les enquêteurs saisissent le téléphone, les ordinateurs qui sont au domicile de Jean-Marc et étudient les données de chacun de ces appareils. Dans cet historique internet, on voit que Jean-Marc a recherché comment se suicider avec des médicaments ou des somnifères. Le fait de chercher sur internet certains procédés n'est pas une preuve qu'on veut mettre en action le procédé. Il y a une part de coïncidence, une curiosité, pas forcément une volonté d'appliquer ce qu'on a découvert dans la recherche internet. Mais un élément va attirer l'attention des enquêteurs. Ces recherches ont été effectuées 2 jours avant le drame. Je ne trouve pas anodin que 2 jours avant les faits, on cherche sur internet comment maquiller un meurtre en suicide. La police trouve donc sur son ordinateur des recherches sur la façon de mettre fin à sa vie ou à la vie de quelqu'un. Donc se pose la question de la préméditation. En parallèle de ces investigations, une autopsie est pratiquée sur le corps de Jessica. À 8h30 le lundi donc 13 août, le médecin légiste est en train de pratiquer l'autopsie donc, du corps de Jessica et immédiatement il constate des anomalies puisqu'il constate des traces au niveau du cou qui sont compatibles avec une strangulation et une asphyxie. Jean-Marc vient de passer aux aveux et le médecin légiste est prévenu. Donc les traces de strangulation sont très importantes à ce moment-là.
Les aveux de Jean-Marc ont éclairé les constatations du médecin légiste. Et à la fin de l'autopsie, on ne sait toujours pas si le décès est consécutif à cette strangulation par les bras ou est consécutif à la chute du corps de Jessica sur le trottoir. Voilà. Et on nous explique que c'est les deux. Le médecin légiste ne va pas pouvoir donner la véritable cause de la mort de Jessica. Est-ce que c'est la chute des 12 mètres ou alors est-ce que c'est la strangulation? Le médecin ne pourra pas donner une réponse précise. À l'issue de sa garde à vue, considérant qu'il y a suffisamment d'éléments pour penser qu'il est à l'origine de la mort de Jessica. Jean-Marc est mis en examen le 15 août 2018 par un juge d'instruction de Lyon. Le but de l'enquête va maintenant être d'essayer de comprendre ce qui a pu se passer au sein de ce couple, comment ce jeune homme, bien sous tout rapport, a pu en arriver à cette situation-là, comment Jean-Marc a pu en arriver à tuer Jessica au cours de cette nuit-là. Comment on peut en arriver à maquiller le meurtre de sa femme en suicide et à organiser tout ça dans le fil de l'action. Le 19 août 2018, quelques jours après le décès de Jessica, il y a une partie importante de la communauté mexicaine de Lyon qui se réunit au pied de l'immeuble où on a trouvé le corps de Jessica pour une sorte de marche blanche pour lui rendre hommage. Il est vers 10h du matin. 10h du matin, il est ensoleillé, c'est l'été, il fait chaud. Les personnes sont habillées soit en noir, soit en blanc. Je vois une trentaine de personnes, hommes, femmes, tout ça confondu. Je vois la mère de Jessica et sa sœur. Et je vois aussi des gens qui sont venus que je ne reconnaissais pas. Cette histoire de défenestration choque le quartier, hein, parce que la Croix-Rousse, il y a des petits faits de délinquance, mais il n'y a jamais de faits divers comme ça, aussi graves, d'homicides comme ça, qui vraiment secouent tout le quartier, quoi. La société mexicaine s'est réunie parce qu'une de ses concitoyennes est morte et je pense que beaucoup de femmes se sont senties identifiées. Ils avaient un portrait de Jessica, une photo où on voit un des colliers qu'elle fabrique. Il y avait vraiment cette volonté de dire encore une femme tuée sous les coups de son mari, c'est inacceptable. Un an plus tard, l'enquête suit son cours. Dans le cadre de l'instruction, des expertises sont ordonnées. Il y a eu deux expertises. Il y a une expertise psychiatrique pour déterminer si Jean-Marc est responsable ou pas de ses actes au sens de la loi pénale. Et puis il y a une expertise psychologique pour donner une dimension sur la personnalité de Jean-Marc. L'expertise psychiatrique va être rendue le 31 mars 2019. Le portrait psychologique et psychiatrique confirme que, en fait, le point faible de Jean-Marc, c'est sa toxicomanie, voilà, qui est vraiment prépondérante dans sa vie. Le fait d'être sous l'emprise de la drogue, ça casse une bonne partie de ses capacités de raisonnement et de contrôle de soi. Même s'il est sous l'emprise de stupéfiants, au moment des faits et au moment où il est entendu par la police, je pense qu'il a pleinement conscience de ce qu'il fait. L'expert indique que la consommation de stupéfiants de Jean-Marc n'a pas aboli ou altéré son discernement. Jean-Marc a une qualité, c'est qu'il reconnaît les faits, il reconnaît ce qu'il a fait, il regrette le geste qu'il a commis, il a des remords. L'expert psychologue dit qu'il est d'une grande sincérité dans ses déclarations. Il a une intelligence normale et une conscience de sa responsabilité et de sa culpabilité qui est totale. Le 28 mai 2019, près d'un an après le décès de Jessica, les policiers de Lyon organisent une reconstitution des faits. Et cela, en présence du mari de la jeune femme.
Jean-Marc refuse néanmoins d'effectuer lui-même les gestes et un plastron va être utilisé, c'est-à-dire un fonctionnaire de police présent qui a une morphologie similaire à celle de Jean-Marc et c'est ce dernier qui va mimer la scène. Assez régulièrement, il nous a invoqué ou bien l'oubli ou bien l'impossibilité de faire les gestes et a fondu en larmes. Alors quand on voit les larmes qu'il avait le matin où le corps a été relevé, on peut s'interroger sur la valeur de ces larmes ultérieurement, mais bon. Jean-Marc reprend le déroulé des faits qui va corroborer ses déclarations de garde à vue. Il ne va pas y avoir de changement extrêmement important, si ce n'est par rapport à la scène qui a lieu sur la mezzanine où Jean-Marc met ses bras autour du torse de Jessica. Il explique que, voulant la contenir parce qu'elle hurlait, elle s'est retrouvée entre ses bras, que peu à peu, elle a glissé et qu'au lieu d'avoir ses bras autour des bras de Jessica, il s'est retrouvé à la serrer au niveau du cou. Ce récit est épouvantable, mais il correspond à un scénario crédible et les policiers croient à cette version. Les enquêteurs vont s'interroger aussi sur le fait que personne n'ait rien vu. Comment c'est possible que les voisins n'aient rien vu, n'aient rien entendu, parce que les fenêtres de Jean-Marc sont à moins d'une dizaine de mètres des fenêtres d'Alexandre, son voisin. À l'issue de cette procédure, seuls les débats devant la cour d'assises permettront de savoir de connaître l'intention homicide ou non de Jean-Marc. Le procès de Jean-Marc débute le 31 mai 2021 à la cour d'assises du Rhône, à Lyon. La famille de Jessica, enfin sa mère et sa sœur sont venues. Le père n'a pas pu venir. Ils sont accompagnés par l'ambassade du Mexique, par les associations de femmes mexicaines. La famille de Jean-Marc est également présente, son père, sa mère et sa sœur qui vit en Espagne au moment du procès est également présente. La salle est pleine à craquer. C'était l'un des procès les plus émouvants de ma vie. L'enjeu du procès pénal, c'est est-ce que c'est des violences qui ont entraîné la mort sans intention de la donner ou est-ce que c'est un assassinat ? Il y avait clairement deux camps. Je ne crois pas que la famille de Jean-Marc ait adressé la parole à la famille de Jessica. Pendant les débats, Jean-Marc va raconter que si il est passé à l'acte, c'est parce que en fait Jessica faisait des scènes. Elle faisait du chantage au suicide, il va un petit peu porter la responsabilité sur Jessica, c'est un moyen de se défendre, mais il va pas nier les faits. Dès le premier jour du procès et dès le premier jour de l'enquête, oui, il a toujours plaidé coupable. Il répond. Jusqu'à ce qu'il soit poussé un peu dans ses retranchements et à ce moment-là, il fond en larmes et il dit qu'il s'en rappelle plus. Et il réfute toute préméditation, alors que l'accusation va essayer de démontrer le contraire, de démontrer qu'il y avait un scénario criminel qui était prévu depuis longtemps. La famille, elle dit plutôt, Jean-Marc avait chercher comment se débarrasser de sa femme. Il y est parvenu. Il y est parvenu pendant 48 heures. Jean-Marc, il y a quand même ses recherches internet hein, sur des scénarios de suicide qui ont été retrouvés sur le disque dur. Que les enquêteurs soient étonnés qu'il ait pu consulter ces sites en lien avec la mort, le suicide, le divorce, c'est tout à fait légitime. Et Jean-Marc a expliqué que ça n'avait rien à voir avec les faits. Il voulait anticiper le risque de suicide de Jessica. Si Jean-Marc dresse le portrait d'une Jessica suicidaire, Soledad, la mère de Jessica, et Aline, sa sœur, vont la décrire tout autrement.
Sa sœur Alina explique à la cour qui était Jessica, une fille gay, une fille qui avait la vie devant elle. On ne pouvait pas imaginer qu'elle pourrait avoir une femme comme ça. La mère et la sœur de Jessica vont reprocher à l'accusée la toxicomanie de Jean-Marc. Si Jessica s'est mise à consommer de la drogue, c'est parce qu'elle a été poussée par son mari. Après 3 jours de débat, le 2 juin 2021, la cour rend son verdict. C'est le dénouement attendu d'une affaire dramatique. Après un délibéré de quelques heures, Jean-Marc est condamné à une peine de 17 ans de réclusion criminelle. Est-ce qu'il y a eu une volonté homicide, une tentative de préparation ? Le juge d'instruction n'ira pas jusque-là. Jean-Marc accepte immédiatement cette peine. Il ne fait pas appel, donc ça signifierait en tout cas qu'il accepte cette peine et qu'il pense qu'elle est méritée. La famille n'avait pas de possibilité de faire appel. C'est ce que j'ai dû expliquer à la famille, parce qu'au Mexique, semble-t-il, les règles procédurales ne sont pas les mêmes. Les procès, ils permettent d'avoir une vérité, la vérité judiciaire, mais ce n'est pas toujours la vérité. Et encore aujourd'hui, la famille de Jessica estime que la vérité qui a été celle de l'audience n'est pas la vérité de ce qui s'est véritablement passé. Le corps de Jessica a été rapatrié au Mexique, où elle a pu être enterrée auprès des siens. Dans cette affaire, il y a deux victimes. La première, c'est Jessica qui a perdu la vie et qui n'aurait pas dû la perdre dans aucune circonstance. La seule façon de se rattacher à la vie, à son existence, c'était lui. Et lui ne voulait pas d'elle. Et elle ne pouvait pas l'accepter. Le drame est là. Moi, j'ai un regret dans cette affaire, c'est que la justice ne soit pas allée plus loin sur les recherches qu'avait fait Jean-Marc avant les faits. Et puis, il y a une deuxième victime. C'est Jean-Marc qui, à vouloir faire le bien, a fait le pire et rend compte maintenant de sa faute en se trouvant en prison. Je pense que l'acteur principal de cette affaire, c'est la consommation de substances aussi violentes qui peut détruire les gens, soit à petit feu, soit de façon brutale, comme c'est le cas là. Si on présume de ses forces, si on pense qu'on va sauver l'autre alors qu'on n'en a pas les capacités, on coule tous les deux, et les deux ont coulé.